Bonjour les amis, c'est Franck pour Créolinium.fr. Bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui au programme, vous allez voir le collage des barrages sur le fond et la table d'harmonie. Ensuite, vous verrez le collage du fond et de la table d'harmonie sur le corps du ukulélé. C'est déjà pas mal comme boulot à faire, vous allez voir, faites-vous plaisir dans la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et si vous avez des remarques à faire, faites-les, ça me ferait plaisir, voilà. Allez, bonne vidéo. Donc là, il va falloir travailler intelligemment, c'est-à-dire, ça va être ma partie fond, celle qui va se trouver à l'extérieur, donc ce côté-là. Donc je vais le marquer, parce que j'ai pas envie de faire une boulette. Voilà. Donc, comme j'ai pas envie de faire une connerie, je vais utiliser un petit crayon à bois pour me laisser de la marge pour couper ça bien largement. Mes petits morceaux de bois que j'avais coupé la dernière fois, je sais pas si je vous les avais montrés dans la vidéo. Ces petits morceaux de bois qui vont servir à résister, à faire la résistance sur le fond et sur la table d'harmonie, pour éviter que ça cintre ou quand on appuie dessus, ça pète. Donc rien de très compliqué, ça reste des petits bouts de bois. Voilà, c'est ni plus ni moins que des petits bouts d'épicéa qui vont être posés de telle façon à ce que ça gêne pas pour la résonance. Ils vont être taillés d'une certaine façon aussi. Il va y en avoir 3 ou 4 sur le fond et 5 sur la table d'harmonie, il me semble. Donc je trace l'emplacement de mes barrages. Alors rien de très spectaculaire non plus, encore une fois. Il faut que ça soit hyper précis. D'ailleurs, je me suis même trompé, mais je ne vous le montre pas dans la vidéo. Ça arrive les petites boulettes, j'ai attendu que ça soit collé pour réparer. Malheureusement, je m'en suis aperçu un petit peu trop tard. Donc là, je prépare mes barrages à la bonne dimension. Toujours pareil, rien de spectaculaire. Donc là, je m'apprête à coller les barrages. Il n'y a pas besoin d'une extrême pression, il faut juste qu'il soit maintenu en place, au bon endroit. C'est tout. Bon, ma fille ayant joué avec mes petites pinces, eh ben, je les retrouve plus. Donc on va s'adapter. On s'adapte et on domine, comme on dit chez moi. Ça marche plutôt pas mal, enfin en général. Un petit coup de colle sur le dernier barrage. J'espère que j'ai rien oublié. Donc là, je m'apprête à percer le trou de 50 mm avec une mèche Forstner de 50 mm, forcément. Hein. Alors j'ai un peu peur de faire éclater le bois. Je vais commencer par l'extérieur et finir par l'intérieur.
Et voilà. C'est fait. Finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Le renfort de chevalet qu'il faut coller absolument avant les barrages, sinon ben ça va pas bien aller. En attendant que les barrages sur la table d'harmonie sèche, je vais commencer à tailler les barrages pour qu'ils aient leur forme définitive. Donc je recoupe légèrement en longueur pour les adapter parfaitement aux dimensions internes du corps du ukulélé. Plus facile de le faire avant qu'après. Donc pour leur donner une forme en pointe, j'utilise un petit rabot. Je passe de chaque côté du barrage. Ça leur donne une forme assez sympa, qui par la suite sera encore amélioré. Donc là, je voudrais remercier tout particulièrement Colin pour l'envoi de son ciseau à table déportée. Franchement, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Je te dois une fière chandelle. Voilà, barrage pour le fond sont faits. Alors voilà, mes barrages sont collés. Je m'apprête à réaliser les tout petits barrages qui vont venir ici. Alors, je récapitule. Le premier, le central ici. Et les deux autres, comme ceci, en biais par rapport à celui qui est au centre. Donc deuxième petite séance de collage pour
les barrages de la table d'harmonie. Donc là, les petits loups, ben, c'est simple, il va falloir que je colle le dos ou le fond sur l'arrière du ukulélé. Affleure parfaitement avec les éclisses, c'est tip top. Je suis assez content de mon montage rapidos là. Je vais passer maintenant au collage de la table d'harmonie. Alors, il va pas falloir que je me gourre, il va pas falloir que je précipite les choses parce que avant de coller le chevalet sur la table d'harmonie, il faudra que je fasse pareil avec la fraise à affleurer. Voilà. Donc je vous le disais, hein, faut surtout pas précipiter les choses. La preuve, j'allais oublier le plus important, enfin le plus important, une des choses très importantes à mes yeux. Je veux que quand, mettons, je ne serai plus là, hein, ça va arriver, de toute façon, pas le plus tard possible, bien sûr. Je veux que dans le ukulélé, s'il existe encore, bien sûr, il y ait une trace de moi. Voilà, le creolinium.fr. Alors que le nom de mon épouse, donc la personne à qui il va appartenir. Le numéro du ukulélé, alors 0001, j'ai vu un peu grand, hein, j'en ferai jamais plus de 10 000. Hein. De toute façon, si j'en fais deux dans ma vie, ça sera bien. Et surtout, ma petite signature, voilà, manuscrite, pas imprimée. On sait jamais, si ça devient un objet style Stradivarius, bon, faut arrêter de rêver, mais bon, on sait jamais. Hein. On va toucher du bois, non, ça c'est pas du bois, ça c'est du bois. Voilà, donc c'est parti mon kiki, on va coller tout ça tout doucement. Le petit plus bien sympathique. Alors bon, ça fait un peu m'as-tu vu, mais au final, bah, ça se verra pas parce que ça sera dedans. Thank you.
Le collage est terminé. La colle a séché 24 heures, approximativement. Donc maintenant, on démoule le cake pour voir le résultat final. Donc là, rebelote, on va passer la table d'harmonie à la défonceuse avec la fraise à copier. Une petite fraise CMT qui coupe super super bien. Je vous conseille fortement cette marque. Donc en l'occurrence, en avant quoi. Donc voilà, ça affleure des deux côtés. La fraise à roulement, c'est quand même un truc de magique parce qu'on a exactement la forme forcément qu'on a avec nos éclisses, là en l'occurrence. J'adore, je commence à adorer. Vraiment désolé, c'est la fin de cette quatrième vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si ça vous a pas plu, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des remarques ou même si vous n'en avez pas, mettez-les quand même, c'est pas grave, hein. Vaut mieux plus que moins. Sinon, un petit avant-goût de ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Hop, je vous en donnerai pas plus, je suis désolé les gars. Allez, à bientôt, c'était Franck pour Créolinium.fr. Ciao les amis.